un peu. Ça va là? Encore plus petit? Je me mets encore plus petit? Ok. Ok. Attendez, hop, voilà. Voilà, là ça va là? C'est bon là, comme ça? Ok, bon alors. Journal. Oups. Attendez, parce que comment je sais c'est laquelle la quête principale, moi? J'ai tout ça à faire? Je suis sur quelle planète là déjà? Je sais plus. Faden sera heureux d'apprendre que vous avez détruit un transmetteur Gate. Allez lui annoncer la nouvelle. Ok. Faut que je trouve Faden du coup. Normalement il doit être quelque part par ici. Faden, il est là. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Je n'ai fait que mon devoir. Content que vous soyez de notre côté, en tout cas. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les Gates, et je vous ferai tous sortir d'ici vivants. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. Et comment je fais? D'ailleurs, les gens, en termes de jeu qu'on va faire prochainement, sachez que ce vendredi, du coup, on va faire Hitman avec Numéro. Enfin, on va commencer Hitman. Une fois qu'on aura terminé Hitman, on fera les Phoenix Wright. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de Nintendo avec, comment dire, avec un avocat. Donc, on fera ça juste après. Et en solo, une fois qu'on aura terminé le premier Mass Effect, on fera le premier Jack and Dexter. Non, on ira sur Ratchet and Clank. On ira sur Ratchet and Clank. Une fois qu'on aura terminé le Ratchet and Clank qu'on avait fait la dernière fois, une fois qu'on aura terminé Ratchet and Clank, on retournera sur Mass Effect 2. Une fois qu'on aura terminé Mass Effect 2, on ira sur le premier Jack and Dexter. Une fois qu'on aura terminé le premier Jack and Dexter, on retournera sur Mass Effect 3. Une fois qu'on aura terminé Mass Effect 3, on ira sur Jack and Dexter 2. Ouais, en gros, on a pas mal de choses de prévues, quoi. Il y a pas mal de choses de prévues. Bref, en tout cas, tech. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des Gates. Je pense pas revenir sur G-Life. Ah ouais? Bah, et Mass Effect 2, comment ça, et Mass Effect 2? J'ai dit, une fois que je termine Mass Effect 1, on fait Ratchet & Clank. Oui. Une fois que Ratchet & Clank est terminé, Mass Effect 2. Une fois que Mass Effect 2 est terminé, Jack and Dexter 1. Une fois que Jack and Dexter 1 est terminé, Mass Effect 3. Et après, on va sur Jack and Dexter 2. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai tué le gros Varen. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les Gates ne constitueront plus une menace immédiate. Filez-moi ces crédits, j'ai des choses plus importantes à faire. Bien sûr, je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Ouais, je les ai, les Jack and Dexter. Je les ai pris tout à l'heure. Alors attendez, parce qu'en fait, moi je suis perdu. Vraiment, je suis perdu dans ce que je dois faire. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accu, on est. J'ai passé la whitelist sur 21 jump click. Ah. Ah, mais c'est pas celui qui m'a pu parler la dernière fois? Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Je les ai sur console. Moi aussi? Bah, moi aussi, du coup. L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. T'as été pris du coup à ta whitelist. Le développement de notre colonie. Tenez, quelques crédits. Oh, tout ce qu'elle m'a donné, gros. Merci, commandant. Bah de rien, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. T'aurais pu prendre mon compte au lieu de les acheter. Ouais, mais ça me fait encore utiliser ton compte. Pendant ce temps, tu peux pas jouer, tu vois. Commandant, que puis-je faire pour vous? On a croisé un homme qui vit dans les tunnels. C'est l'un des vôtres?
Ce doit être Yann. Oui, il est très malade. Malade? Le mot est faible. Il n'est plus le même depuis l'attaque. Nous avons essayé de l'aider, mais il refusait de nous écouter. Je ne peux aider les gens contre leur volonté, commandant. Vous avez des médicaments, non? Vous pourriez le soigner? Ce n'est pas si simple. Yann était un brave homme. D'ailleurs, si je pouvais le ramener à d'ailleurs, je vous avais dit que je passais mon troisième vaccin le mois prochain, le 17 février. Mais finalement, je le passe demain. Bonne Donc chance. Demain, je fais ma troisième piqûre de Covid. Enfin, d'anti-Covid, pardon. Dommage, on me donne du Covid, les gars. putain, attendez, je sais plus ce que je dois faire. Donc ouais, à partir de demain, je ferai mon... Enfin, à partir de demain. Demain, à 13h55, je fais mon troisième vaccin du anti-Covid. Donc je vais peut-être être un peu dans le chignon. Attendez. Fouillez le tunnel situé sous la surface de Zeus, hop, pour tenter de retrouver les accumulateurs manquants. D'accord. Y a des... En fait, j'arrive pas à savoir quelles sont les quêtes principales et quelles sont les quêtes secondaires. Alors vraiment. Ah, faut que j'aille dans mission. Oh, d'accord. Bah ouais, forcément, tout de suite, ça devient plus simple. Prenez l'ascenseur qui relie Zeus Hop à l'auto. Ah, d'accord. Et maintenant, ok, l'ascenseur est ouvert. Excusez-moi, les gars, hein, c'est le temps. Deux jours sans jouer au jeu, je suis perdu. Ok, donc l'ascenseur est ouvert maintenant. On peut y aller. En vrai, je suis content de découvrir ce jeu qui est quand même une énorme licence vidéoludique. Et je suis encore plus content quand tout le monde me disait que j'allais pas aimer, que finalement j'adore. Enfin, pas que j'adore, mais j'aime bien. Chet. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Périmètre nettoyé. Monter dans le véhicule. Let's go, on va monter dans le véhicule du coup. Direction la base des guettes. J'ai peine à croire que ces mots sortent de ma bouche. Je me sens visé un petit peu, ouais. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que on fait beaucoup de jeux SF en ce moment, quand même. Parce que là, du coup, Mass Effect, après Ratchet & Clank, Jack & Dexter, qui est aussi, du coup, un jeu un peu SF. On a fait Alien. On a commencé le jeu Prey. C'est vrai qu'on l'a pas continué, d'ailleurs. Oulala, c'est dangereux, c'est bon. Oh. J'arrive pas à savoir, je vais en marche arrière là ou je vais en marche avant? Il est où l'avant de mon truc? Ah mais j'allais en marche arrière là en fait. Ah ouais. Ok, nickel. Oi. Il est où? Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Nous devons avant tout nous occuper des guettes. Il y a du monde. Stop. Ici. Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Reculez, Juliana. Tu as baissé ton arme, mon pote. Cette arme, vous allez vous blesser. Exactement, tu ne vas te blesser. Attention à lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est...
c'est la société. Et vous passez, Juliana. Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers sur cette planète. Fai, Dan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. Allez, bim. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Putain, mais quel connard ce mec. Bon, en dépit des assauts répétés des guettes. Ouais, ah, mais elle a changé de tenue, ça, elle était toute noire avant. C'est la guerre. Dites-moi juste où je peux les trouver. Vous voyez ? Ils ne sont pas ici pour nous sauver, Juliana. Juliana. Vous allez attendre l'équipe de secours d'Exogénie avant de... Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe Exogénie, un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer alors, les guettes. Alors, tu la fermes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. Bah ça, c'est ton problème, hein. Ne faites pas perdre de temps. Exactement. Elle est morte une fois les guettes éliminées. Voilà, exact. Ah, mais c'est vraiment un bâtard, hein, par contre. Elle est toujours en vie, j'en suis sûr. Restez ici jusqu'à mon retour, en savoir plus. Où est-elle ? Juliana, où se trouve votre fille ? Juliana ? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez pas. Je vais pas lui promettre que je vais la retrouver, parce qu'imaginez, je la retrouve pas. Ouais, ouais, t'inquiète. Ça ne devrait pas leur poser de problème. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais la retrouver. Oh, mais oh. J'ai donc cru que j'avais que ça à faire. C'est la guerre, Juliana. Aïe. Oula. Ok, devant. Oh oui, c'est vrai que j'ai ça, hein, j'avais oublié que j'avais ce truc là. C'est vrai que je peux leur faire, je peux les défoncer comme ça aussi, c'est vrai. Par contre, apparemment, il y a un mec que j'ai pas vu, il est où ? Il est peut-être au... Je sais pas. D'ailleurs, je me suis... Juste comme ça, je me suis rematé le film Aladdin avec de vrais acteurs et je me suis dit, mais ils auraient pu faire tellement un truc mieux que ça. Des fois, il y a des scènes, genre quand ils sont en train de chanter, il y a des scènes, elles sont en accéléré, tu sais pas pourquoi. Ça casse tout le truc, je trouve. C'est trop chiant. C'est dommage. Avec de vrais acteurs. Bah, non, bah. Je veux dire, pas en dessin animé, quoi. Enfin, en film d'animation, pardon. Le Aladdin. Ah, t'as cru que je parlais de, du truc avec. Ah non, non. Ah. À l'intérieur, la résistance sera vraiment acharnée. Ok, je commence déjà à les tuer de là. Comme ça, au moins, on n'aura pas de soucis après. Je peux passer peut-être ? Non, j'ai pas l'impression. Allez. Je sécurise la position. Bah, sécurise la position, moi j'y vais. Hein. Twitch Z, ah ouais ? Ça bug les gens ? Non, ça bug pas.
Il y a eu un incident qu'ils ont résolu à 19h15. Il est quelle heure là? Bah il est plus de 20h du coup. Refluel. Alors comment se passe ton transport? Est-ce que chez toi ça marche, Fluel, le live? Apparemment, Alors, ouais, elle dit que ça marche pas. C'est un point de non-retour, commandant Shepard. Bon sang! Je suis désolée, je vous prenais pour des guettes ou des varennes. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Ça marche nickel. Et le vaisseau Get s'est arrivé au bâtiment et le courant a été coupé. Bah nickel. Bah je sais pas du coup pourquoi la bug. Mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les Get. Le problème, ce ne sont pas les Get, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les Get que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le Taurien. Le Taurien? Qu'est-ce que c'est? Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous savez... Tiens, est-ce que vous savez si Mass Effect Andromeda, c'est la suite des histoires de... Parce que ça, je sais que Mass Effect 1, 2, 3, c'est une trilogie. Mais est-ce que Mass Effect Andromeda, c'est la suite du coup... Ah, ça se passe avant. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau Get. J'ai vu les Get poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les Get sont partout. Ok, je m'en occupe. Ne bougez pas tant que le champ d'énergie n'est pas désactivé. Pas besoin de me le dire deux fois, je vais me terrer dans un trou et ne plus en sortir. Tenez, prenez mon badge. Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Ah bah nickel. Merci, j'en aurais besoin. Hop, un petit Varenne. Oh là là, oh là là, on se fait assiéger par les Varans. Eh bah dis donc. La voie est libre. Ouais, tu m'étonnes. Après tout ce qui vient de nous arriver. Heureusement qu'elle est libre, la voie. Alors moi, je viens de là, on est d'accord? Ça se passe après, mais plus avec Shepard. Ok. Saloperie de machine. De bon accès. Commandant Krogan. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Je veux pas spoil si tu sais pas la fin du 3. Ah bah non. Dis-moi ce que je veux savoir. Sinon, je te fais griller les circuits. Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un. Hop là, problème réglé en une seconde. Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous? Quelles informations le dernier utilisateur voulait-il obtenir? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le Taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hope sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hope et le Taurien? L'espèce 37
est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zuzhov. Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qu'il dissémine provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zuzhov a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Voilà qui explique leur comportement étrange. Vous devriez prévenir votre pilote. Joker, répondez, Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Nous devons trouver un moyen de passer le champ d'énergie et retourner à Zuzhov. Yves, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Geth. Mes données sur les Geth sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Il faut trouver ce vaisseau. On y va. Préparation à la mise en place. Ok, let's go. Ah, c'est ça qui a marqué quand il y a l'affichage au milieu de l'écran. C'est une sauvegarde, en fait. J'arrivais jamais à savoir. Bonjour. Et dehors. Et deux. Les Geth se servent de ces griffes pour arrimer leur vaisseau à un bâtiment. Indélicat peut-être, mais très efficace. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau ? En détruisant le vaisseau. On peut chercher des failles dans les autres griffes, mais les Geth sont très scrupuleux. C'est quoi ça, l'orbe... L'orbe luisant ? Les Geth semblent attacher une importance particulière à cet endroit. Vous croyez qu'il fait office de temple sacré ? Les Geth ont bousculé la frontière entre vie organique et vie synthétique. Il n'est pas étrange qu'ils recherchent la reconnaissance d'une entité supérieure. Alors, j'ai su que j'avais des petits points à m'attribuer. Notamment, peut-être, avec le fusil à pompe. Ou peut-être le premier secours. Premier secours amélioré. Rend 100 points de santé à chaque blessé de votre commando. Oh ! Oh, ça peut être pas mal, ça. L'intimidation, ça, c'est quoi ? Confère un score d'intimidation de 4 et active une nouvelle option de dialogue. Oh là là. Intéressant. Intéressant, intervention. Formation de spectre. Augmente la durée et les dégâts de tous les pouvoirs et attaques de 2... Ouais, ça c'est quoi ça? Réanime tous les coéquipiers. Ça peut être intéressant ça. Hop. J'avoue que on utilise maintenant de temps en temps le pompe. Alors pourquoi pas monter un petit peu le level du pompe. À ce niveau-là, on va prendre... Au niveau de la barrière, on va prendre 2. La stase 2. Là, j'ai plus de points. Et elle, l'atténuation, on est en manque de 3. Et du coup, là, on va mettre 1 au niveau du pompe. Let's go. Oh là là. Tac. J'attribue à tout le monde des... Oh là là, lui il arrête pas de sauter. Je le vois plus. C'est tellement dur de le suivre à la souris. Il est derrière le mur. À la manette, pardon. J'en galère. Je crois qu'on les a eus, commandant. Grenade! Ah, je l'ai peut-être lancé trop loin la grenade. Ça va mieux? Non mais oh. Oh! Je crois que j'ai tué ma pote. J'ai tué mon pote, je pense. Non, il doit pas y avoir TK quand même dans le jeu. Nickel. J'espère qu'il n'y a pas de TK. Hein. Sinon, on est dans la merde. Hein. Hop là, nickel. Il y en a un autre ? Non, ça a l'air d'aller.
Oh là là, ils sont compliqués maintenant les... Ok, là je passe. C'était chaud. Hein. C'était chaud. On a réussi à le récupérer. Ah, ça a l'air d'être un cul-de-sac par ici par contre. Donc du coup, je me serais trompé de chemin. Ça, c'est fort possible. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir 36 000 chemins à prendre. Hein. Clairement, à part aller là-haut, je vois pas où est-ce que je pourrais aller. Écoutez, on va remonter, c'est pas grave. J'ai dû ne pas voir quelque chose. Il y a un chemin que j'ai pas dû voir. Alors attendez. Où est-ce que j'aurais pu me tromper? Mais pourtant, je regarde partout, il y a rien. Regarde partout, je ne vois rien. On va redescendre. Je pense que j'ai forcément dû rater quelque chose. Par là. Peut-être plus loin en vrai. Hein. On va repartir loin. Ah, mais attendez, je peux encore monter. Voilà. Ouh là là. Nickel. Alors, on va mettre de la déchirure. Déchirure. De l'autre côté, on met une petite, un petit tireur d'élite. Et apparemment, je peux plus utiliser ma capacité surcharge. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va mettre immunité à la place. Hop. Tac. Bah, ils les ont tous défoncés. Hein. Finalement, j'ai pas servi à grand chose. Hop là. On attend un peu. Oh non, j'ai raté. Ah, c'est le moment. Les sujets de test devraient être là depuis 3 jours. Or, nous sommes sans aucune nouvelle de la colonie ou du transporteur. Par crainte d'une libération des sujets, nous recommandons de couper tout contact avec Nodacrux. Même si cette colonie était découverte, personne ne pourrait remonter jusqu'à nous. Ok, ok. Ah, je peux monter là-bas. Même situation. On n'a pas le matériel pour détruire cette griffe. Continuons les recherches. Bon, eux, ils ont pas l'air commodes, hein. Ils ont vraiment pas l'air commodes, hein. Oh là là, oh là là, ils font trop mal. Oh là, je suis en surcharge. Ok, il était en train de recharger en fait le truc. Nickel. Ok, lui il est mort. Nickel. Il en reste un. Voici un atout qui nous manquait pour les autres griffes. Si nous en délogeons une, nous nous débarrassons du vaisseau. Alors attends, on va regarder ça après, d'accord? Je récupère d'abord tout ça avant. Et après, on voit ce que tu me dis, d'accord? Un moment. Porte de la baie d'amarrage. Je peux fermer la baie d'amarrage. Quoi? Décryptage, compétence insuffisante? On est où là? C'est qui fait décryptage? Ah, c'est pas moi, hein. C'est qui fait décryptage à la base? Déchirure, lévitation. Ah, c'est toi? Ah, elle a une compétence insuffisante, elle. Pour pirater ce truc là. Oh, y'a de l'abus.
Vous ne trouvez une... Alors, vous trouverez une demande de réparation collée à la console. Cette saloperie de porte de la baie d'amarrage est encore bousillée. Tant qu'on reste au-dessous de 207 kilopascal, tout va bien. Et au-dessus de 234, le frein de sécurité bloque le mécanisme. Mais entre 207 et 234 kilopascal, la porte se referme assez violemment pour couper net une poutre en acier. Réparez-moi ce bordel avant qu'un de mes gars se fasse charcuter un bras. Ok, donc il faut que je le mette à combien il a dit ? À 240 ? Non, non. Merde, 224 ? Comment on sait à combien on est ? Oh. Pression normale. Danger, coupure d'urgence. Ah, d'accord. Ah oui, ok. 34. Avertissement, haute pression. Nickel. J'avais prévu qu'il y avait le truc en bas à droite. Donc, c'était vachement. Parfait. Le champ de force qui barrait la sortie est désactivé. On va pouvoir s'occuper de ce taurien. Let's go! J'espère que le vaisseau était rempli de ces petits salopards. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker? Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions Get fusent dans tous les sens. Commando, avec moi, il faut y aller. Allez, on se bouge. Let's go. Ça part. Je peux remonter par là, apparemment. Oh là là. Ah non, il y a quelque chose ici. Par contre, ça devient de plus en plus compliqué, les... Attendez. Non! Oh, the fuck? Ah non, échec. Je vais partir de ce côté-là. Ou de l'autre côté, peut-être? Oh non, j'ai failli arriver. J'arrive pas à tourner quand je suis au milieu. C'est compliqué. Oh non, t'es sérieux? Mais comment c'est possible? Oh oui, c'est bon. Nickel. Ok, je vais regarder vite fait mon équipement parce que j'ai quand même récupéré pas mal de choses. Là, on a un fusil d'assaut à 240. J'espère que c'est pas de la rafale. Hop là. Fusil à pompe, 194 ici. 211. Let's go, ça part. Le niveau des pistolets, on en a à 163. Fusil sniper, ça change pas. Par contre, ouais, ça par contre, toujours un peu à la ramasse à ce niveau-là. Continuons avec Liara. Liara qui a 15-5-5. On perd un peu en puissance, mais on augmente la durée avec celui-là. On va pas le prendre. 117 ici, 130, 132. Moins de capacité de dissipation, mais plus de taux de précision. Tac. Et là, on a un 194 en termes de fusil à pompe. Combien il est, le mien? Il est à 211. Ok. Tac. Et là, 190. Là, on a 240. 198. Ah, elle, on lui donne le 190. Là, il y a bien 160. 115. 117. Et ça me paraît pas trop mal. Est-ce que elle, peut-être qu'elle a... Non, elle a pas de nouveau. Nickel. Ok. Est-ce que y en a sur le chat qui découvrent en même temps que moi, du coup,
cette saga et qui apprécie le jeu ou au contraire il la trouve pas si ouf que ça. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors, faut que je retrouve. Je préfère le dernier. Lequel? Le Andromeda? Ou le Mass Effect? Ah ouais, ouais. Ah ouais, pourtant, ce que j'ai entendu dire, apparemment, c'est l'un des plus mal aimés, apparemment. Alors, peut-être que c'est remonté un petit peu. Mais au début, les gens, apparemment, ils aimaient pas du tout. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien. M'en fous des avis des autres, moi j'aime bien. Non mais c'est pas par rapport à ça, c'est que... D'après les retours, c'est pour ça, d'après les retours... Comme beaucoup disaient qu'il était pas si ouf que ça. Où est le Taurien? Je m'attendais pas à ce que ce soit celui que tu préfères. On fait atterrir le transporteur sur l'entrée. Parce que tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être ils ont peut-être fait des matchs qui rendent le jeu bien hein, aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a du sexe dans le dernier. Ah. Fallait le dire tout de suite, j'aurais commencé par lui. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando, vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions Get. Il se dirige vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Elle va être juste casse-couille en fait. Va falloir la protéger. Si tu m'avais dit plus tôt qu'il y avait du sexe dans le premier, j'aurais peut-être fait le premier. Dans le Andromeda. J'aurais peut-être fait Andromeda avant. Hein. Parler avec les réfugiés. Ok. Alors, je sais plus où ils sont exactement. Oh, je peux pas reprendre. Ah si, monter dans le véhicule. Oh là là, miséricorde. Il me semble qu'ils sont par là, hein, les réfugiés. J'espère ne pas me tromper et ne pas aller trop loin. Attends, avant de partir, je vais quand même regarder. Imaginez, je pars et en fait, je suis allé trop loin. Je vais quand même les buter, comme ça au moins quand on reviendra, ils seront morts. Nickel. Oula, 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 oula. Alors, si je me souviens bien, c'est en descente. Et alors, non, c'est pas ici, hein, on est d'accord. Non, 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 c'est pas ici.
Oh là là. Il me semble que c'est quelque part ici par contre. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Éloignez-vous de cette radio ! C'était quoi ça ? Je crois que c'est quelque part ici, mais je sais plus où. Ici Juliana Bénin. Ah si, c'est juste en dessous. Ceci est un SOS. C'est ma mère. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Mais elle m'emmerde, elle. Je sécurise la position. Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ben, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Ah ouais ? Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Qu'est-ce qui se passe ici, Jong ? Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong ! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines ! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez parler de la seule ressource exploitable de Féroce, le Taurien. Le quoi ? C'est une créature télépathe qui vit sous Ushope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Ça suffit. Vous allez trop loin. Très bien. Vous l'aurez voulu. Oh là, je crois qu'il est... Il a pas l'air content. Oula, ah bah je l'ai défoncé. Bon, bah voilà, hein. Comme si les guettes et le Taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant ? Je dois découvrir pourquoi les guettes en ont après le Taurien. Les colons ne vous laisseront pas approcher du Taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai pas vraiment le choix. Il doit bien y avoir un autre moyen. Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. Installez ce gaz antitaurien sur vos grenades afin d'incapaciter les colons à infecter sans les tuer. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez... Ok. Je ne devrais pas leur poser de problème. Vous auriez 2 minutes à m'accorder ? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Tout le monde a ses petits problèmes. Quel est le vôtre ? Je comprends. Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège ? Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Franchement, j'ai parfois l'impression que les gens pensent qu'on aime le danger. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez ? C'est tout simple. Je trouve que vous me faites confiance un peu facilement. Vous en connaissez beaucoup qui sont prêts à aller au complexe Exogénie ? Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Ok, comment je mets du coup sur les grenades ? Retournez à Ushope en Mako par l'autoroute protéenne et trouvez le repère du Taurien. Appliquez le mode... Attends, quoi ? Ok. Ushope, c'est la ville qu'on avait au début, ça, non ? Je crois, hein. Let's go, on y va. Il me semble que c'est la ville du début, Ushope, là où il y a Feidan.
Aïe, je me suis mangé l'eau. Oh merde, attends. Ah oui non, c'est bon, ok. Hop là, nickel. Oula, c'est quoi ça? Y a des zombies maintenant? Oh, c'est pas un zombie, toi. Altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le Taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, commandant Shepard. Ah merde, bah du coup j'ai déjà niqué le truc. Par là. J'ai déjà niqué le truc. Attends. Les grenades incapacitantes. Oh lolo. Là c'est des colons ça. Oh non, je les ai butés, c'est pas des gros. Ouais, juste c'est bon, elle bat les couilles. Attends. Grenade incapacitante là. Comment je prends des grenades incapacitantes moi? Grenade, bah y'a rien. Qu'on est un peu dans la merde. Je crois qu'on est un peu dans la merde. J'ai pas de grenade incapacitante en fait. Oh non, c'est la galère. Je vais être. Ok. En fait, je suis obligé de tous les buter quoi, si je veux avancer. Mais le problème, c'est que du coup, je vais buter les colons. Et le but, c'est de pas tuer les colons. Oh, aïe, ma zette. Ma zette. Ok. Dégagez. On va appeler l'ascenseur. Bon, j'ai buté des colons. Il fallait pas en buter, j'en ai buté. Comment dire? On va s'en sortir. Il reste 10 colons en vie. Bon, écoutez, hein, s'il aurait... La voie est libre. Ils avaient qu'à pas nous tirer dessus aussi, hein. Un peu de leur faute, hein. Il ne fait aucun doute qu'il protège le pouvoir ici. Je vais mettre la lumière de ce continent. Hop là, encore 6 colons en vie.
Ah, j'aime bien parce que du coup, quand ils sont dans cette position, je peux pas leur tirer dessus. Là, il a décidé de se relever le monsieur. Il tourne en rond. What, il y en a un derrière? Mais ouais, il y en a un là. Il est mort? Ouais, elle est morte. Il reste que lui. Nickel. C'est bon, il y a plus de colons vivants. On les a tous tués. La voie est libre. Ah. Quel plaisir. Les pauvres colons, je les ai tous défoncés. J'ai essayé de résister, mais il était... Oh, c'est Faydan. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Calme-toi, Faydan, calme-toi. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Bon bah, un problème en moins. Hein. C'est pas mal. Alors, attendez. Du coup, qu'est-ce qui a été modifié là? J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait été modifié, mais je vois pas où c'est. Pom 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 pom. Je retourne sur ça? Non. Ah non, c'est là. Pardon, ok. Bon, Liara, elle a toujours, elle est toujours dans la merde au niveau santé, hein, par contre. Je sais pas comment la faire monter. Là, je sais comment moi. Mais les alliés, je ne sais pas. Ouh! Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Elle... Par qui là? C'est quoi ce truc? Rien n'est jamais simple dans la vie, pas vrai? Oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Oh, ça sent pas bon. On dirait Gorkyodol dans Valerian et l'Orlune. Mais ouais, mais on dirait vraiment ça en plus. Ah, c'est ignoble. Il arrête pas... Quoi? Intrus. Chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Bonjour, enchanté. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour sa reine. Le Taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à sa reine, quelque chose dont j'ai besoin. Sa reine cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je vous vengerai de ce traître. Plus jamais le Taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang Oula. Sera le terreau d'un nouveau cycle. Alors attendez, là, je veux juste regarder. Neutralise temporairement les capacités technologiques et biotiques des ennemis. Les ennemis en proximité surchauffent et infligent des dégâts mineurs. Oh, ça c'est pas mal ça. Et on va mettre la stase. Oh! Oh là là, elle est où? Ouais, c'était plutôt rapide. Ça a été plutôt rapide. Ouh, ça a pas l'air d'être fini.
Oh merde, Lyra, elle est morte. Oh, par contre, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon pour nous, ça. Là. Ah non. Ah non, c'est pas bon pour nous. Comment je fais pour la soigner? Je peux lui tirer dessus peut-être? Non. Ok, nickel. Ah, d'accord. Hop là. Commandant, venez voir. Pow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres. Nickel. Bah, let's go, on y va. Faut que je remonte, vous croyez? Ah, c'est ignoble ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais... c'est pas joli joli, hein. Allez, on remonte du coup. Ça m'a l'air d'être par là. On avait pas l'air d'avoir trop le choix. Ouais, il a pas envie de se relever, lui. Ah. Ah. Bah écoutez, on s'appelle, on se fait une bouffe, hein. Oh, 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 il y a un nuage. What, what, what? On me tâte par derrière, non? Non, c'est bon. J'ai cru. Oh, une seconde. Oula, lui, pourquoi il devient bleu? Oh non, de Zeus. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. Ah bah je suis mort. Oh, il m'a défoncé. Mais comment je soigne mes alliés? C'est ça que je comprends pas. Attends, il doit forcément y avoir un truc. Il doit forcément y avoir un truc pour soigner les alliés. Hein. Parce que là... Ah d'accord, en fait la porte là elle était fermée à la base. Ok. Nickel. Et mon allié est mort encore. Que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres. Bah vraiment, il doit vraiment manquer quelque chose. Hein. D'ailleurs, elle a pas son fusil d'assaut dans les mains. Tu m'étonnes qu'elle se fait défoncer depuis tout à l'heure. Ok. On va y aller par étapes, hein, d'accord? Déjà, je vois qu'en bas, il n'y a pas l'air d'avoir de personnes. Ils ont l'air d'être tous à l'étage. Donc déjà, ça, c'est un bon point. On peut... Oula, oula, non. Non, 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 non. Oh là là. Ok, elle est morte déjà, ça c'est fait. Nickel. Nickel. Le suivant. Oh, je rate tout. Je rate toutes mes balles. Ok, let's go, on avance. Bon, celui-là a été plutôt simple. Hein, Bon, de Dieu, ils m'ont fait peur. Pas bien.
Ok, elle, elle est morte, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Fallait impérativement que je la bute dès le départ. Est-ce que vous avez vu le nombre qu'il y en a là-bas là? Oh oh oh. Aïe 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 aïe. Il y en a un qui va rush par la gauche. Oh, il y en a même plus d'un. Il y en a même plus d'un. Bon, je compte sur eux pour me défendre. Ok, nickel. Il y a sûrement la fille qui va se ramener. Hop là, on prend le pont. Le pompe est pas si efficace que ça apparemment en vrai. Hein. Là je vois depuis tout à l'heure, bon après là, je fais du tir au jugé. Mais j'ai l'impression qu'il est pas si ouf que ça le fusil à pompe. On va le tester contre les mobs là. Oh, oh j'ai peut-être rien dit. Hein. Vraiment. Finalement on est peut-être sur quelque chose d'intéressant. Station médicale. Est-ce qu'il est compliqué? Il a pas l'air compliqué. Nickel. Hop là. Oh là là. Oh, j'ai totalement tiré dans le mur, dites-moi. Ok. Je suis prête. Il n'y en a aucun qui se relève? Très bien. Ah, par contre... Oh, il est là, d'accord. Est-ce que ça fait des dégâts, ça, ou pas? Il est pas détruit? Oh là, oh là, oh là! Oula 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 oula. Let's go. Mode carnage. Montre-toi. Hop là, ça dégage. Mes deux mates sont morts, hein, par contre. Ça va être compliqué, cette histoire. J'ai envie de rester là le temps, mais... Je sais pas d'où est-ce qu'ils peuvent venir. Déjà, je peux descendre. Elle est où la fille là? Elle va me rush. Laisse tomber, je vais voir rouge. Sur le truc, on pourra faire des convois. Alex a vérifié la circulation sur le multijoueur? Putain, mais je pensais qu'il n'y avait pas. Bah, c'est cool du coup. Bah, tu me dis quand tu veux faire. Hein. Sur le mode convoi. Ah, il y a un mode convoi. Ah, je connais pas ça par contre, le mode convoi. Mais ouais, let's go. Hein. Ouais, je suis chaud. Oh, toi ma cocotte. DLC Vive la France à 5 euros. Ah bah.
pour aller manger des crêpes pendant... pour manger des crêpes pendant... pendant ta session de truck. Non mais ouais, en vrai, moi je suis chaud, hein. Si t'as envie... Si t'as envie de te faire une session... On peut même faire genre... je me mets en voiture de patrouille, je roule devant, voiture escorte, je roule devant, je klaxonne toutes les personnes devant la route, comme ça, tu peux avancer tranquillement. C'est pas des blessés. Ah oui, je suis blessé. Ton message juste après, m'en veux pas. Okay. Mais comme a dit Alex, on peut pas faire les mêmes contrats. Alors, on peut faire les mêmes contrats si on a les mêmes qui arrivent en même temps, en fait. Normalement, on peut. En gros, faut prendre la même, faut prendre ou si on n'a pas les mêmes contrats, en fait, faut juste prendre là où à la même ville, tu vois. Comme ça, on prend le même chemin. Même si on va pas à la même entreprise, en tous les cas, ce sera à la même ville à la fin, donc c'est pas un problème. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Ouais, voilà, la même destination. Vous vous trouvez à l'intérieur de cette chose. Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais. Au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ce qui l'entoure par la pensée ? Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Yes, totalement, nous en sommes venus totalement. À croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benezia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Pourquoi a-t-il ordonné aux Guettes de détruire le Taurien ? Sa reine avait obtenu ce qu'il voulait. Laisser le Taurien en vie pouvait se révéler dangereux. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma ? Et qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et, après leur mort, assimilés. Où se trouve l'énigma et comment faire pour l'obtenir ? L'énigma est l'essence même des protéins. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma. Cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné.
Il existe, c'est tout. J'ai besoin de l'énigma. Alors, tout comme je l'ai fait pour Saren, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre... Après, on peut même faire plus grand, hein, parce que je sais que Numéro, il a le jeu, Kumi, elle a le jeu. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Auron, il a le jeu. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité! Oula. Oula là. Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à Saren. La mémoire ancestrale des protéins fait désormais partie de votre être. On pourra recréer la LBGDF. Ça va ? Elle m'a bousillé le cerveau. J'ai vu quelque chose. Pourquoi tu veux refaire l'entreprise directement sur Eurotruck? La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Il faut retrouver le canal avant sa reine. C'est possible, ça peut être drôle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Il me semble que tu peux créer ta propre entreprise sur le jeu. La main sur le canal. Pour ma part, je vais rester ici avec les colons. Normalement, c'est possible. J'ai une grande honte d'avoir contribué à leur souffrance. Tant qu'il restera des colons sur cette planète, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider et les protéger. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez sauvé quelques vies, c'est déjà beaucoup. Nous allons pouvoir prendre à nouveau. C'est vrai que à la base on était censé ne pas tuer les colons. Dès que tu achètes ton propre camion, ça crée ton entreprise. Ah. OK. Je sais pas si j'ai encore mes sauvegardes, ça se trouve va falloir que je recommence tout à zéro. Boah, l'enfer. Vous devez explorer Feros Noveria, le secteur Artemisto. Attends quoi? Vous devez explorer Feros Noveria, le secteur Artemisto, afin de remonter jusqu'au canal avant Saren. Oh. Rendez-vous sur Virmir pour y rencontrer l'équipe galarienne. Bah let's go, on va faire ça, hein. Ça c'est plus simple. Sinon, faut que je retrouve comment aller dans le vaisseau. Ça par contre, j'en sais rien. Je crois que c'est par là, hein, il me semble. Il me semble que c'est par là qu'il faut que j'aille. En vrai, j'en sais rien. Alors, je suis parti par là, mais... Il y a de grandes chances que ce soit pas par ici. Hein. Ah si, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Oh là là, du premier coup, ouais. Quand même vachement fort. Entrée à bord du Normandie. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma ? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Détendez-vous, commandant. Contemplez. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu... Ah, je sais. Vous avez vu quelque chose ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise. Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Exogénie a tenté de l'étudier, et regardez ce qui s'est passé. Oui, je suis sûre que vous avez bien fait, commandant. Mais malheureusement, la colonie n'a pu être sauvée. Je suis étonné, Shepard. Féroce était une colonie humaine. Je vous aurais cru prête à tout pour sauver vos congénères. J'aurais sauvé la colonie si j'avais pu, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Il faut parfois faire des sacrifices, commandant. C'est une bonne chose que vous le compreniez. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Non, parce que du coup, on a buté tous les mecs. Il n'y en a pas un qu'on n'a pas buté. Et à la fin, on fait... Bah en fait, j'ai pas trop eu le choix. Alors qu'en réalité, on avait le choix. Mais juste, j'ai pas réussi. Je suis trop nul, putain. Alors... Allons à l'infirmerie vite fait là, voir si on peut pas. Si on peut pas bah, tout simplement faire une petite auscultation. L'infirmerie, je crois que c'est là l'infirmerie. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ici. Docteur Chakwas. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Ah non. J'ai rien besoin, c'est bon. Au revoir, commandant. Et du coup, si je ferais. Ouais, nickel. Elle est bien là. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous êtes en meilleure forme ? Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son... Ça bug plus, Aaron ? J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Oh, bah en fait, c'est exactement les mêmes paroles que la dernière fois. Hein. Shepard. Exactement la même chose que la dernière fois. Bon allez, on va remonter. Ça refonctionne, je ne sais pas pour combien de temps. Ah, on va croiser les doigts du coup. Non mais ouais, je sais pas, parce que les autres avaient pas l'air de bugger, donc je sais pas du tout. Alors, regardons le journal. Ça, je sais pas. Explorer Féroce, Noveria, nanana. Et du coup, trouver le canal, ouais, ça va être compliqué ça. Rendez-vous sur Virmir pour rencontrer l'équipe galarienne, let's go. Let's go sur Virmir du coup. Là on est à Féroce. Sharing, Sato, Logan, Kana. Virmir c'est là-haut. Là, on a Noveria, la Citadelle, on a Féroce. Let's go à Virmir, du coup.
Il n'y a que celui-là, apparemment. Il n'y a que Vermir. Let's go sur cet écosystème. Bon, t'as pas raté grand-chose, hein. T'as pas raté grand-chose. T'inquiète. Vermir, let's go. Pile poil ici qu'on doit aller. Vermir est un monde éloigné mais luxuriant. Idéal pour les espèces de à base de carbone. Ok. Ok, on va prendre exactement les mêmes personnes que d'habitude. Hein. On va prendre elle et elle. Let's go. Commandant, je capte un signal. Ça doit être pour notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Oh! On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'aie éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Let's go. Oh, sympa cette petite planète là. En vrai, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec, avec le jeu Halo, mais honnêtement, je trouve quand même mieux que le jeu Halo, ce petit jeu Mass Effect. Bon, après, vous me direz, il n'y a aucun rapport. Hein. Une question. Et je. Alors, si cette question est pour moi, je peux te donner une réponse. Ah non, c'est pas moi. C'est une question où tu réponds à Percy. Ah, pardon, excusez-moi. J'avais pas vu. Je parle tout seul et après, je me perds. Le mec il bouge même pas, j'arrive même pas à niquer quoi. Oh je l'ai défoncé lui. Pam 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 pam. Le streamer il est perdu. Oh je peux pas détruire ça. Non. Il me semblait que c'était ça que je devais détruire. Ah, ouh le brouillage, ça c'est pas sympa ça. Feu. Ça me semble pas trop mal. Ça a pas l'air d'être par là, faut que je continue. Tom 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 tom. On va se rapprocher plus près. Attendez, ça se trouve, il y a des trucs à récupérer là-haut. On va aller voir. Oh là là! Oh
Oh, là-bas, il y a quelque chose. ...1850. Pas mal. Hop là. J'aimerais bien trouver un fusil d'assaut qui ne fasse pas rafale. Ça serait pas mal. Ok, nickel. Compétence décryptage insuffisante. Attendez. Commando. Alors là, mon pote, si tu me dis que là, ma compétence de décryptage elle est insuffisante, là, je vais pas comprendre. Voilà, maintenant tu... Dis-moi que ma compétence, elle est pas suffisante maintenant, vas-y. Alors, le pompe. Tac. 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 Et tac. Et elle. Nickel. Alors, comme ça, ma compétence de cryptage, elle est... Oh là là, c'est quoi ça? Oh, mais c'est impossible! Oh là, nom de Dieu. Ok. Oh non. Ok, on recommence. J'ai une idée. Non, idée de merde apparemment. C'est bon. Ouh. Pas mal ça. Alors attendez, est-ce que j'ai pas récupéré du coup quelque... Oh, attendez. Oh, ça me semble pas mal ça. 22, 119, juste protection tech biotique à 18, on perd 2, mais on gagne beaucoup plus à côté. Hein. Vraiment là. Ouh, attends quoi? 42, 98 et 0. Ah oui, d'accord. Par contre, ça c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf ça. Hein. Non, c'est clairement pas ouf. Par contre, je crois avoir récupéré des fusils à pompe bien. Un fusil d'assaut peut-être? Bien intéressant. 240. Et là, on est sur un Tsunami 4. Qui ne change rien, finalement, j'ai l'impression. Ah non, c'est exactement le même, en fait. Je suis con. C'est vraiment exactement le même, hein, vraiment. C'est dommage, j'ai pas précisé si c'est de la rafale. Bon, bah écoutez. Hein. Let's go, on se casse de là, du coup. M'envoie des messages. C'est clair. Oh, ce que... Ok, ça lui fait pas tant que ça de dégâts, lui. Nice. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, les gens, du coup? Vraiment, le... Le coup de bazooka ne sert à rien, vraiment. Bon, si, des fois ça passe. Des fois ça va. Pam 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 pam. Wouah. Ah, on entre dans un brouillage.
Nickel. Ciao. On a un autre là-bas. Je sais pas où est le sniper qui me tire dessus, mais en tout cas, lui, il va me défoncer. Oh, je l'ai raté. Hop là. Pam pam pam. Et je pense qu'il est l'heure de descendre. Hop là. Ah, faut que j'aille là-bas. Oh, le sniper gate, il vient de se faire défoncer. Gros. Ouais, 2 secondes. Une journée lambda. C'est vrai que ça a été plutôt chill aujourd'hui en là. On a été sur Discord, mais en réalité, à jouer seul. Bah, c'est vrai que même de mon côté, j'avoue que j'avais pas trop envie de jouer. J'ai fait d'autres trucs. J'ai commencé le montage du best-of également cet après-midi. J'ai avancé un peu en RP, enfin j'ai récupéré un peu d'argent en RP. Mais c'est vrai qu'à part ça, finalement, on était en vocal tous les deux toute la journée, mais on a rien fait quoi. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Commande d'ouverture. Faut que j'active ou faut que je désactive? Ah non. Du coup, ça t'a rendu triste, Floel, de jouer tout seul aujourd'hui? Est-ce que je peux descendre? Je peux y aller avec ma voiture? Ouais, je peux y aller avec ma voiture. On va tout faire péter! Ok, lui il est mort. Alors, on me tire dessus, mais je ne sais pas de où. Re. Encore bugué, Haro? On a redémarré le modem. Ah. Ça ira peut-être mieux du coup là. Seul dans ma solitude, genre j'étais avec toi en vocal pourtant. T'as mis beaucoup de vent comme... Non, c'est faux. Peut-être. Ah, mais comme je disais, en vrai, j'ai commencé le montage cet après-midi. Et... J'ai commencé le montage du best-of. Alors, c'est pas non plus une raison pour avoir mis des vents. C'est même sûr, genre...
Alors là, tu peux demander à Max. Ah bah... Non mais ça, c'est clair et net. Je suis convaincu d'en avoir mis. Hein. T'as même pas besoin de demander à Max. Oula, oula, oula. Commandant, le Normandie s'est posé dans la base, mais on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. En vrai, je me ferais bien un peu de Warzone. Ça vous dit ou pas? Putain, je me suis fait mastune là en vrai. Et maintenant, on fait quoi? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? On est jeudi? Je suis le capitaine Kira. Une ah, il y a une mage. C'est ça? Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Manquait plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au conseil. C'est nous les renforts? Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. La transmission était incompréhensible. On est jeudi, donc on est... donc on n'est pas samedi. Cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Ah oui, ok. Ouf. Ah ouais, le temps que je comprenne, laisse tomber. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Remax. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire, hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à deux doigts de disjoncter. Laissez tomber. Tout ira bien. C'est vous le patron. Mais je préfère garder un œil sur le... Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est eux qui sont avec moi? Ah oui, non, quoi. Du coup, ça vous dit qu'on aille sur, sur Warzone ou pas? Ou vous préférez qu'on continue Mass Effect? Pardon, excusez-moi, je...
Je perds mes mots. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un sondage ? Allez, on va faire un sondage rapide. On va faire un sondage rapide. Alors, tableau des créateurs. Non, gestionnaire de stream, sondage. Hop. Du coup, j'ai lancé le sondage, les gens. On va voir si on continue sur Mass Effect ce soir ou si on va sur sur Warzone. Combat qui nous attend, mes frères. Mais je sais que sa reine doit être stoppée. Bienvenue, humaine. Je suis le commandant Rentola. Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mission. Pour le reste, allez plutôt voir le capitaine Kira. Montrez-moi ce que vous avez. Mais il n'y a pas grand-chose. Alors. Fusil d'assaut Banshee 5. Il est pas ouf, hein. C'est pas ouf hein, ce qu'il vend le mec. Je suis inquiet au sujet de Vrex. Vous croyez qu'on peut toujours lui faire confiance ? Mais oui, t'inquiète. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Calmez-vous, Vrex. Ne vous trompez pas d'ennemis. Gardez votre colère pour sa reine. C'est pourtant sa reine qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Je ne devrais même pas avoir à vous l'expliquer, Vrex. Écoutez-moi. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan ? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Vrex, s'il vous plaît. On va discuter de tout ça tranquillement. Assez parlé, Shepard. Je vais régler ça à ma façon. Oh la salope! Non, mais c'est pas possible! Mais quoi? Mais elle l'a buté! Mais quelle salope! Non mais... Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? J'étais en train de lui parler. Désolé, commandant. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il vous blesse. Ah ouais? Bah c'est moi qui commande. Ce n'est pas à vous d'en décider. Que cela ne se reproduise jamais, compris? Attends, mais on vient littéralement de buter un mec... Il était avec nous il y a deux minutes. Mieux vaut lui que le commandant. Mais quoi ? Oui, c'est sûr. Mais toi, mais quoi ? Mais quoi ? Non, mais quoi ? Mais je suis choqué, je suis outré.
Mais attendez, elle vient littéralement de buter un mec qui est avec nous depuis le début. Et tout ce qu'on a à dire, c'est « ne recommence plus ». Mais gros, mais attends. Ouais, ferme-la. Putain, mais je suis outré de ce qui vient de se passer là. Tellement je suis outré. Dans le sondage, vous avez dit qu'on allait sur Warzone. Bah, on va sur Warzone. Oh, je suis choqué. Oh!